Ce vendredi 23 juin, Bruno Monneroé, ancien candidat de La Nouvelle Star, était l'invité de Jordan Deluxe dans son émission Chez Jordan. Pendant leur échange, il a affirmé avoir eu une histoire d'amour avec Christophe Willem. Une histoire d'amour passée très marquante. Ce vendredi 23 juin, Bruno Monneroé, ancien candidat emblématique de la quatrième saison de La Nouvelle Star, était l'invité de Jordan Deluxe dans son émission Chez Jordan. Pendant leur entretien, le chanteur s'est confié à propos de sa carrière, de son passage dans le télécrochet et a accepté de revenir pour la première fois sur son histoire d'amour passée avec Christophe Willem. Il ne s'est pas passé quelque chose avec Christophe Willem? Vous étiez tombé amoureux de lui? Lui a demandé l'animateur. C'est plus compliqué que ça, lui a fait savoir Bruno Monneroé. Il y a des histoires qui vous coûtent cher dans votre vie, Bruno Monneroé se livre à cœur ouvert sur son histoire d'amour passée avec Christophe Willem. Bruno Monneroé a confirmé pendant leur entretien les informations publiées par le magazine Gala. J'ai vu un article de presse dans Gala qui disait qu'effectivement j'étais sorti avec Christophe Willem. Alors moi, 20 ans plus tard, je pense que je ne lui porterai pas préjudice en disant qu'en effet, on a eu une histoire d'amour. C'est quelqu'un que j'ai profondément aimé, a-t-il commencé ses confidences. On s'est rencontrés à La Nouvelle Star, on était en duplex 2x2, par chambre. J'étais avec Christophe Willem du début jusqu'à la fin de l'aventure. Il y a des histoires qui vous coûtent cher dans votre vie et dans votre carrière. C'est quelqu'un que j'ai aimé profondément et 20 ans plus tard, j'ai fait le deuil de tout ça. Toutefois, pendant l'émission, Bruno Monneroé a mis un point d'honneur à affirmer, c'est moi qui l'ai quitté. Si Jordan Deluxe a trouvé sa décision quelque peu étonnante car le chanteur a l'air d'être quelqu'un de bien, la réponse de son invité est plutôt nuancée à ce propos. C'est ce qu'on dit, a-t-il répondu. On ne s'est jamais revu depuis, Bruno Monneroé n'a pas souhaité voir Christophe Willem pendant les primes des 20 ans de La Nouvelle Star pour faire très court, disons que je l'ai quitté avant la finale, de La Nouvelle Star, note de la rédaction. Je l'avais présenté à ma famille, c'était une histoire sérieuse, on devait habiter ensemble après La Nouvelle Star, a-t-il continué. Bruno Monneroé a également confié que plusieurs chansons dans le premier album de Christophe Willem faisaient référence à leur histoire d'amour, dont Jacques a dit. Cependant, pourquoi sont-ils restés discrets sur cette histoire? D'après ce qu'il m'a dit, j'étais son premier garçon, sa première expérience avec un garçon. Suite à ça, il a sorti Double Jeu, donc je pense qu'il faut être un peu aveugle pour ne pas le comprendre. Tout est lié. J'en parle 20 ans plus tard en toute humilité, a-t-il confié. En février dernier, les deux chanteurs étaient présents pour les primes anniversaires des 20 ans du télécrochet, cependant, ils ne sont pas croisés, Bruno Monneroé s'en était assuré. J'ai fait en sorte de rester dans ma loge pour ne pas le voir. On ne s'est jamais revu depuis que je l'ai quitté. Je l'ai quitté avec une lettre. Les histoires d'amour finissent mal en général, a-t-il conclu.